Le moteur est reparti. Je le mets où? Pas la marée de l'autre côté. Ça marche. Bien reçu. Ça aura un impact sur l'attaque de ce soir. On a eu notre lot de surprises pour aujourd'hui. Ça ne dérange pas si vous aimez tout. C'est n'importe quoi. Pas sûr que ça soit un moyen. Je suis d'accord. Il y a un truc qui tourne pas rond avec eux. Tu crois qu'ils sont avec les Ska? J'ai pas l'impression qu'ils veulent traverser la ville. J'en sais rien et je m'en fous. Je veux juste les choper. Rien ici. J'ai cru entendre un bruit. Je vais regarder ce que c'est. Get out!
péter. Thank you.
D'accord. Voyons, ça aurait été trop facile. Thank you.
putain de merde. Yeah.
Thank you.
cage, bordel. Personne ne revient de cette île. Combien de fois Abby a risqué sa vie pour toi? Elle a fait son choix. Moi, j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Main en l'air. Où est Abby? C'était toi, la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner? Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Montre-moi où elle est. Mike-toi, putain! Dis-moi où est Abby. Elle est... Où elle est, putain? Enceinte.
bien. Eh bien, on s'en va. On s'en va. Tout va bien. Elle l'a pris quand même. Ça va pas le faire. Il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas ? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout ? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Méritait ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter ? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or, hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi ? Ouais. Ellie ? Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça.
Merde! Jesse! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Tu la fermes! Merde, d'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme. Jette ton arme! Merde! Non. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat! Papa! 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 Où il est? Un peu avec ça. Wow. C'est pas vrai. Ça a marché. On peut pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Visez-moi ça, 1978. Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche.
Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici? Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh, wow. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, bien, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh, mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage, par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter? T'as des éclairs de génie, parfois. Papa, j'ai trouvé... quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Abby. Allez. Il y avait des infectés dans le coin. On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Oh merde. Abby. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen! Tiens là! Allez! Attention. Ok, tu la tiens bien? Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Eh merde, doucement! Putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez! On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Papa... On y va. Thank you.
c'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. Pris la bonne décision. Ouais. Si c'était moi, j'aurais voulu que tu m'opères. Encore dans les parages. C'est... Abby. Non. Abby, relâche-toi. Papa. Non. Non. Joël. Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié, arrête, non, Joël, allez, lève-toi! Attends! Non! Non! Va au dia, Pendero. Arrête de te pitié! Eh hey, oh, qu'est-ce que tu fais? Manny. Je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Abby? Oh. Du calme.
Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vámonos. Ok. J'ai le cou en vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Bonjour, mademoiselle Potts. Bonjour, mamie. Oh, elle aussi? Un gentleman sait tenir sa langue. Faut que je parle à mon père deux secondes. Tu me prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras. Oscar est à genoux. Tu vois? Il est en train de prier. Je m'approche pour les côtés. Content de te revoir aussi, Abby. Hey, Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Allez, ça va sortir. On pourrait rendre visite à sa mère. Il y a un passage à l'île. Bonjour. Ah, Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? Non, j'ai essayé. Eh, ça me va bien. Te ves horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous, bien sûr. Y a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue? Tiens, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Peut-être parce que j'articule mal. Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil.
Va chier. Une scientifique, hein? Ah. Non. Je ferai ça plus tard. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Essaie encore. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air, je sais pas, mal en point. Comment ça? En fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgiques. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Quel bébé arrive? Voir tous ses enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Merci. Ouais. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby? Tu vas la chercher? Hé, ma belle. Salut, grosse belle. Hé, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hé, Al. Tu veux voir les camions? Allez, on y va. Oh, salut, Jésus. Bon, ok, mais juste parce que je suis... Désolée, c'est ma faute. T'es pas attaché avec Jenny hier soir? C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac.
La vache, elle veut trouver le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de cumulus. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Ouais, je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper, moi. C'est juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bouger. Salut, Abby. Non, salut. Je crois pas. Moi, ça me rendrait dingue. Salut, Pat. Hey. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y'a quoi comme bagnole ? Prenez la S24. Tu conduis. Tu signes. Pantero. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, et si on se faisait un petit concours ? Le perdant nettoie l'appart. Mmh. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein ? Ok, cabron. J'aime que mon lit soit bien fait. Oh, fais chier. Hé, on n'a pas dit quand je ferai le ménage. Sois pas mauvaise perdante. Faut qu'on aille à la base. Des munitions, si vous voulez. Oui, oui. C'est qui le gentil chien ? Non, toi aussi, tu m'as manqué. Hé, hey, Alice va devant. Mais elle est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous ne pourrez pas poter. Gracias. Prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi, Owen ? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé ? Il a dit quelque chose ? On se parle jamais. Enfin, je me croise au réfectoire, mais c'est maintenant. Jackson, c'est peut-être que ça. Oh, merde ! Embuscade ! Accrochez-vous ! C'est bon ! J'essaie !
putain d'Oscar. On est loin de la base avancée. Ouais. Plutôt. On est trop exposé. On va à l'intérieur. Allez, on va sécuriser la zone. De matos pour fabriquer un tuyau explosif. Compris. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. C'est bon? Ouais. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non, rien. Regardez là-haut. On voit de la lumière. C'est peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. C'est parti.
plus beaucoup de munitions. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. Ouais. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Amigas, je crois que j'ai trouvé une sortie. Manu. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Une plaisir. Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, Manu. Vous voyez, ça marche. Une autre? Ouais. Eh, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Peut-être plus tard. Base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Oh, bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais... ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis... Je voudrais pas porter la poisse, mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. Merde! Il y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Là-haut. Manny, va voir en haut. J'y vais. Câble est coincé, on dirait.
Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Alors ? Toujours pas de Scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu te crois drôle ? Putain. Non. C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. C'est parti. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Ok, c'est bon. Vite. De rien. C'est par ici. Oh. Regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle un entrepôt. Faudra qu'on revienne dans le coin. Le commandement de la française est bien détaché.
Ok. Allez-y, je tiens. Je l'ai bloqué. Chier, désolé. Est-ce que ça va? Ouais, la poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas! On va trouver un moyen de grimper sur le toit! Ok. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de pas avoir été là pour vous aider. Hey Mel, je vais t'aider à grimper. Va voir s'il y a quelque chose là-bas. Ok, allez, go! C'est bon. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ok, mais... vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. J'ai réussi. Bon, on s'en est un peu rapproché. Il essaie encore de le réparer. Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. Mais chacun son obsession. Comme moi et les jouets pour chiens. Ouais. Ou moi et mes pièces à la con. Ok, pourquoi pas. Il y a une passerelle qui conduit à la lucarne. Mais comment on fait pour y aller? Oh, cool. Bien joué. On va voir. Des tours. Oh, surtout quand je regarde en bas. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses. Oh, arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici? Ouais. Ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base. Putain. Quand on sera rentré, je vais me trouver un canapé, mater un film et picoler jusqu'à plus soif.
Ah ouais? Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça s'appelle? Avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant? Enfin, si j'étais pas en cloque. Ni en train de fuir. Hey, c'est par là. Ok, on va suivre les rails. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. J'aime pas ça. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir le mur. J'ai pas l'impression. Chut. Silence. En voilà d'autres qui arrivent. C'est fini? J'en vois pas d'autres. Suivez-moi. On y va.
en haut. Ici, ma belle. Regardez, on y est presque. Le portail. Laissez-les passer. Mel. Quoi? Tonto. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Eh, on en a deux. Il a une blessure par balle, à la main. On dirait un compliment. Cours te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Qui, cette beauté? Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Hé, hey, Manny, attends. Vous êtes proche du commandement. Vous savez ce qui se passe? Comment ça? Ça fait 3 jours qu'on attend ici sans rien faire et on est au courant de rien.
Au rapport. Salut, vous deux. T'as quelque chose pour nous ? Pas de mission. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux ? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. J'ai l'impression de voir que des nouvelles têtes. Et toi ? Salut. Abby, pour une fois que c'est toi qu'on doit sauver et pas l'inverse. Enfin, une seule fois. Merci. T'aurais pas vu Isaac ? Abby, viens voir deux secondes. Non, avec tout ce bordel, moi aussi je me planterais. Ouais ? À propos de votre embuscade, c'est arrivé où ? Quelque part, ici, près des entrepôts. Oh merde ! Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac ? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bonne nouvelle, c'est que c'est pas des bons. C'est parti. Salut. Salut, Whitney. Salut, Abby. Quoi de neuf ? Tu sais ce qui se passe ici ? J'aimerais bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils envoient un groupe à l'hôpital. Pour du matos. Ah, super. Tu l'as dit. Il est cool, ce jeu ? Méga dur. Mais je suis accro. La musique est cool, en plus. T'arrêtes pas pour moi, surtout. Allez, bye. Putain de jeu vidéo. Je me suis bien amoché, hein, docteur ? J'ai vu pire. Ne bouge pas. Ouais. Salut, toi. Tu vas mieux ? Les antidouleurs font effet, alors... ça va. Tiens le coup. La main, ça va ? J'ai gardé la plupart de mes doigts. Hé, hey, t'en as besoin que de trois. Tu crois pas ? Ça va aller. C'est ça. Comment c'est arrivé ? Un scar m'a planté à deux fois par jour. Et évite de le mettre. Je sais. Manny s'est chargé de lui. Il lui a brisé la nuque. Ouais. Tiens, quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel ? Encore quelques points de suture, et je serai comme neuve. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre ? Hé, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main ? Bien sûr. Tu bouges pas, hein ? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Nora, est-ce que t'as pu te reposer un peu ? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel ? Réellement ? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais... je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire ? Suivez-moi. Oh putain. Ce sont des gens de chez nous ? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel, ok ? Nora. Enfin, pour l'instant.
Venez. Y a qui là-dedans ? Putain de merde. C'est Dani. Où est Owen ? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Dany et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Dany effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches scars, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen ? T'as demandé à Isaac où il était ? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors... tenez-moi au courant, ok ? D'accord. Merde. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen ? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Oh bah merde, regardez qui voilà. Ça va les gars ? Tu veux faire une partie ? Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, Frimeur. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Cette odeur. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Salut Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Mani sont là. Laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi ? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre.
Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand, avec Danny? Qui te l'a dit, Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenue avant l'aube, couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira.